Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et les gars, petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation de deck avant que le vidéo commence, les gars, très très important. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à acheter votre meilleur pouce bleu, activer la petite cloche de notification, et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Insta et me poser des questions directement. Nouvel épisode de Road to x10. Donc c'est parti, on part avec un petit deck mortier, je l'avais promis hier, ça m'a cassé les couilles. Bref, allez, c'est parti. Ok, on va commencer ce petit deck, un petit mineur bat. Hop, tranquillement, très agressif, hein, très très agressif. Ok, on va peut-être dû mettre le mineur derrière du coup. C'est bon. Il traîne, ok. On a la reine aussi, bon là on a les gardes pour défendre, donc ça me pose pas trop de problèmes la reine. Je vais partir dans son map moi. Que soit la, sa reine, je m'en bats les couilles un peu, parce que j'ai juste mes gardes à mettre, et voilà, tu vois, mais, à Alien Food. Ok, bon, c'est du MK du coup, d'accord. Quoi le genre. Bon, je dois mettre mortier plus cheucheux parce que il y a forcément quelque chose. 2 MK par exemple. C'est une très bonne solution. J'espère juste qu'il a pas cyclé déjà. Oh, la snowball. Ah, oh, ça va être chiant ça. Ok, le petit coup sur la tour il fait plaisir là. Il est. Fait du bien celui-là. Ok, bon, malheureusement il y a une faute, donc la reine, on oublie toute cette zone là, on oublie là, cette zone de la reine. On faudrait quasiment lui mettre au pont, genre une petite reine là ou des trucs comme ça. Pas avoir de. Pour pas qu'il te value food. Ouais, ça, ça me fait chier par contre, tu vois. Alors là, je suis obligé de cycler une bûche. On va attendre qu'il passe le pont, on va mettre les gardes. Hein. Hop. Parfait. Bah écoute, on va mettre un petit mortier ici, un petit mortar. Ok, ok, très bien. On va aller mettre un petit coup, ça c'est plutôt clean. Ouais, voilà, ouais, je vais laisser chevalier pour essayer de protéger un max. Malheureusement, j'ai pas eu de chance là. Bah, le seul problème c'est que là, je vais avoir du mal à défendre. Non, ça va, en fait, j'ai ça. J'ai Mimi. Et j'ai mes guards. Le petit garde ici, tranquillement. Voilà, ouais, nickel, je m'en doutais. Là, mettre une petite bûche en plus. Nickel. Parfait. La défense plus que clean. Bon, la reine, du coup, je pense qu'on va quasiment pas la jouer du match-up, puisque sinon il va foudre à chaque fois. On va mettre le mortier là, on va mettre le chouchou, direct. Voilà, prévisible. Là, on va mettre une reine là. Bien haute pour pas qu'il y ait de value. On va direct activer le kappa pour tuer le fantôme, puis le chouchou. Ok, le mineur vite. Hop, parfait. Ok. Là, on va mettre le mortier là. Plus un petit chouchou ici pour essayer de prendre le moins de dégâts sur le mortier possible. Parfait. Là on est bien. Le mortier qui connecte. Ça c'est pas mal, j'aime bien. Hop, là il va sûrement foutre. Fais gaffe. Ok, il fout pas, très bien. Non, j'ai raté. Non, frère, pas comme ça. Bon, je pense que là il s'en doute, donc il y a sûrement Kava, je pense. Ok, reine, on va aller à la boule de feu direct. Ok, nickel, la bonne boule de feu de ma part. On a Tassa réactif sur le coup. Parfait. Là, le mortier qui va tuer, et là on est bien. Là, on va vite aller mettre les gardes. Hop, nickel. On va aller cancel l'aggro. La petite mineure offensive. Excusez-moi, je suis en train de travailler ma grand-mère là. Ouais. Vous connaissez. Et on va aller prendre cette win. Let's go, ça fait plaisir. Hop. Pas une game facile, hein. Pas une game facile. Si je travaille pas, je me fais défoncer. Donc, bah, je suis obligé de tryhard. Ça fait plaisir. On va s'ouvrir ce petit coffre. Ah, petite emote. Celle-là, on va la mettre dans notre deck. Celle-là, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on va changer notre deck d'emote. Tenez, on va le faire ensemble. Ça dure 2 secondes. Hein. J'ai pas énormément d'emote sur ce compte. Hop, à la place de ça. Et je voulais mettre celle-là à la place de ça. Hop, oh, nickel. Allez, on va regarder son profil en 2 spi. Hop. Oh, ok, t'es pas incroyable. C'est pour ça que je pense que j'ai win, mais il fallait quand même que je travaille parce que sinon j'aurais pu la perdre. Allez, c'est parti contre Aland. Ok, très bien, mettre un petit chouchou ici. Ok, petit mortier.
Ok, encore un petit cava bélier, encore un petit spam, encore un petit peu de spam. Là, ça faisait longtemps. Ok, là j'ai Mimi, je pense. Je vais me faire chier plus que ça. Nickel. Le problème, c'est qu'il a encore une foudre. Ma reine ne servait encore à rien. Bon, tant pis. Ouais. On va pas amortir ici par contre. Ok, ça c'est cool. Est-ce que la voleuse peut die? Non. Pas mourir. Là, on va pouvoir par contre. Et là, j'amène mes gardes assez pour pas qu'elle dash. Et on va directement faire petit mortier derrière. Ok, le MK qui est chiant. On va se mettre une reine assez haute. Dès qu'elle a sauté. Hop. Parfait. Là, une bonne reine de ma part. On a les bats de toute façon. Comme on a les, comme il a son New Wiz, il n'a pas d'électro esprit. Du coup, c'est cool. Ok, bon là on affronte un match-up différent. Du coup, le mec il a le D2, il a un deck beaucoup bien plus lourd. Surtout qu'il a une foot, donc il est vraiment lourd son deck. Allez, c'est parti pour un petit mini ici. Mais il a pas de reine, il a un chouchou. Ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Hein. Pas sûr. Hein. Ok, bon là je vais free BDF. Elle était gratos cette BDF. Ok, on va laisser mettre les gardes. La petite chebu, ouais, ouais, c'était vraiment la. C'est pas le meilleur de tous mes gardes, hein, j'avoue. Voilà, je prends tellement cher à gauche. Ok, on va mettre un mortier, tranquille. Ok, c'est le mortier connect, ça c'est cool. Oh, dommage. Ok, je vais à BDF. Je vais laisser gratter, je vais laisser Coco, c'est pas très grave. Ok, merde, j'ai pas mis la merde de toutes mes bûches là. On va prendre cher sur Splash, c'est sûr. Bon, on va peut-être perdre la tome même, hein, je dirais. Ouais, il spam tellement. Ouais, il a envoyé tout ça dans. Bon, première défaite, malheureusement. De toute façon, on n'a pas un bon match-up, donc on se retrouve pour la prochaine game. Hop, voilà, je quitte ça à rien. Ok, c'est parti, troisième game. Bon, première défaite, ça m'étonne pas, je suis très loin d'être un joueur mortier. Bon, on essaie de faire notre mieux, dans tous les cas, j'essaie de jouer comme je le sens. Non, mais frère, mais lâchez-moi avec vos bridge spam, s'il vous plaît. Putain, faites un effort. Putain, sérieux, donnez-moi des match-up corrects. Putain, je me tape que des match-up éclatés sa mère, c'est un truc de ouf. Putain, c'est insupportable. Sérieux. C'est quoi ce genre de mec, genre vraiment, sérieusement, alors 2 speed. Ouais, mais là, en plus, je me mets dans la sauce derrière, parce que je suis défense putain de fantôme de merde, là. Il va mettre Volos à l'opposé, vous allez voir. Bon, je vais faire ça. Ah, attention, magie. La magie du spam va opérer. Non, même pas. Pas de nouveau. Ok. Bon, troisième bridge spam d'affilée, hein, ça fait longtemps. Bon, l'archer boule de feu, c'est gratos. Bon, le mec, il a un esprit de soin. Ah, mais c'est un bridge spam classique, c'est pas un PK. Attends, ça. Oh non, c'est encore pire le bridge spam. Je déteste ce deck. Bon, du coup, normalement, il a pas de zap. Bon, la logique des choses, on va voir s'il a un zap. Je pense pas. Si c'est un PK bridge spam, il a pas de. Il a pas de zap, c'est sûr. Il aura zap. Oh, vas-y, frère, c'est trop genre. Non, mec. Ouais, bah GG à toi, t'étais bien meilleur que moi. Ouais, bah là, les gars vont juste disparaître là. Et voilà, voilà. D'ailleurs, moi je vais faire ça, il va mettre un photo opposé, vous allez voir. Non, même pas si, voilà. Est-ce qu'on aime voir du spam? Pour la défendre.
Bon, on va peut-être commencer à agresser un jour. Je peux ou j'ai pas le droit? Bon, son archer, je le boule de feu direct, il vient me faire chier sinon. Calme-toi, quoi. Mais il est insupportable! Père, lâche-moi là, au bout d'un moment. C'est bon, voilà. Allez, hop. Ça part. Sûrement le moment. Je pense que c'est le seul moment de. C'est le seul moment de la game où j'aurai une ouverture. Donc je pense, bah, go la prendre en vrai. Hein. Ah, mes frères, focus pas. J'ai envie de pleurer, mec, quand ça fait ça. Bon, bah, boule de feu, ça vovo. On va se mettre une petite reine là, je pense. Oh, allez. Hop. Là, on va se mettre un petit moment. Oh, le mortier va être incroyable. Hein. Le mortier, la masterclass. Hein. On va mettre la reine. On va vite activer son pouvoir. Hop. Elle est parfaite. La défense qui va être bonne là. Hop. Oh, le con. Parfait ça. On va lui mettre une petite bûche en plus pour tuer, pour être sûr de tuer la Vovo. Là, on a le mortier. On va mettre le mineur en pré-shot. Voilà, donc tu sais. Je m'y en doutais. On va pas plus forcer que ça parce que sinon l'arche magique c'est pas tout shot. Ah si, il fait tout shot. Je savais pas qu'il faisait tout shot. Je sais pas s'il fait une bûche. Je savais pas, je préfère ajouter au cas où. Bon, je sais au moins maintenant. Donc, il va dire de faire comme ça. Toc toc toc. Parfait, il y a une reine à défendre. Il va prendre très cher sur ça. Il va prendre très très cher sur ça. Là, on a le mineur ici. Donc ça va. Non, ça a sauté. La vie de ta mère, ça a sauté, là. La vie de ta mère, ça a sauté. J'ai mis une bûche. Il y a même l'anti défensif, c'est le moment. C'est le moment de gratte au mineur, les gars, maintenant. C'est le moment de gratte au mineur. Ah ouais, je pense que je mets des dégâts ici. Je m'en bats les couilles en soi. Ok, parfait. On va commencer à gratter ça. J'ai plus le choix, maintenant. C'est le moment. Ok, on va mettre la capa. On va mettre la capa ici. La grosse capa que je viens de mettre. Très très bonne capa de ma part. On va remettre un mortier def. Voilà, là on a un très bon mortier def. On va laisser mettre une boule de feu là. Hop, parfait. En fait, j'aurais dû faire ça dès le départ en fait, je suis trop con. Il tourne hein. Il m'a fait peur le bug là. Non. Non. Frère, j'ai une pété un câble. J'ai une casser mon crâne. J'ai envie de casser mon crâne, frère, j'ai mis un mortier. Putain. Je craque à 2 secondes de la fin, j'ai envie de péter un câble, j'ai envie de casser mon crâne là. Ah non, mais là j'ai envie de pleurer là, frère, c'est trop. Putain, il y a full spam. Bon. Bah voilà, écoutez, c'est la vie hein. Bon, c'est une petite dernière game, je pense. Mortier, on a vu le résultat, c'est catastrophique. Je pense que le résultat il est clair, net et précis. On va s'entraîner dans le défi classique, je vais m'entraîner tout seul dans le défi classique, y'a pas de soucis. Quand je referai une vidéo mortier, je serai bien meilleur. No problème sur ça. Ah, yes, hein. Ah, nice. Bah, j'ai lose, GG. Ah, yes. Bah, là, j'ai une suicide, vraiment, c'est... Ouais, bah, nice, hein. Lourd, hein. Faut que plus qu'il me sorte une poudre, quoi. Bon, on a notre capa, bon, je pense qu'il va la défendre, hein, logique. Je vais pas l'activer maintenant, ok, la nouvelle boule de feu, on va la mettre, la boule d'œuf. Bah écoutez, regardez ce qu'on va faire, c'est ça. Et ça, je vous propose ça, moi. Vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, je pense que c'était la bonne feluse, hein. On va laisser gratter le sapeur, je m'en fous, en soi. Comme il y a le tour qui a été gratté un petit peu, ça permet d'égaliser un petit peu. Ça me paraît plutôt clean ce que je suis en train de faire. Ça me paraît plutôt clean ce que je suis en train de faire. J'aime beaucoup. Ok, petite chauve ici, tranquille. Ça sent quand même bien de la gagner, hein, parce que j'ai un peu la flemme de recommencer à SD là. Hop, allez, c'est parti, petite garde. Allez, petit mortier ici, tranquillou. Là, la fin. Okay. On va être obligé de rajouter une bûche, ça fait trop mal sinon. Et là, on va pouvoir connecter des bons dommages. Et mais ça fait un peu inutilement. Il y en a qui va être connecté sinon, donc on va le. Là.
Vous m'avez compris. Ok, on va mettre le petit mineur là. Hop. Le shot de l'arche magique. Ah, t'es beau. Ah, t'es beau. Et il rajoute une tornade sur ça, c'est pas mal, ça me va. On met une petite reine là. Ok, on met de la capa. Elle va mourir ma reine, j'ai peur qu'elle meure. Ah, dommage, elle meurt, bûche. Là, voilà, j'ai une très bonne bûche. Hop, et là, Sako. Comme Mamadou Sako. Et on va aller prendre cette petite tower. Et là, on est bien. Et là, on est bien de ouf. Ok, il a mis. Il a pas mis son meilleur archer magique. Petite capa de la reine. Oh, ok, bon. Hop, nice. Bon, malgré ces deux games totalement de choc, hein. De ma part contre Brishpam, une game que je me suis fait clairement voler, j'aurais clairement dû la gagner celle-là. J'ai eu clairement full panique. Le mec il m'a fait une trop de pression et lui bon voilà, après voilà hein, je perds sur des mecs assez convenables quand même, lui là ouais bref. En tout cas c'était un vrai coup, j'espère que je vous aurai plu. Un vrai coup, ciao ciao.